guys, c'est encore moi et je suis fou aujourd'hui parce que je décide d'enregistrer juste avant un live. Mais c'est pas grave, on va voir qu'est-ce que... En fait, ça dépend de quel jeu qui va être, que je finirai pas aujourd'hui. Qui sait d'enregistrer? Sur Ice Rise? Non, évidemment, on s'en va dans Monster Hunter Front... Oh, shit, Frontier! Oh non! Oh non! Ah! Ok, voilà toutes les difficultés entre guillemets. Frontier, il y a beaucoup de choses à faire dans Frontier, en fait. Fait que c'est ça que ça donne. Il y a low rank normal, en fait, c'est vraiment easy dans Frontier. High rank, qui est le high rank, qui est quand même facile maintenant dans Frontier. C'était plus difficile à l'époque, où est-ce que le HR100, c'était le niveau de difficulté le plus élevé. Et j'ai décidé de l'appeler Super Rank, le HR100. Fait que dans le fond, c'est avant le G-Rank, après le high rank. J'ai jamais entendu personne appeler ça le super rank. Je suis le seul fucking fucké à l'appeler de même. Alors, c'est ça, je l'appelle de même. Plaignez-vous si vous voulez. Plaignez-vous pas si vous voulez pas. C'est aussi simple que ça. Sinon, il y a quelques affaires aussi qui sont différentes dans Frontier. C'est pas des monstres nécessairement, mais il y a le caravane, G-Rank caravane, que aussi on peut faire. Je me suis dit, on va l'y mettre dedans. Peut-être qu'on va l'y faire une fois. Je sais pas comment ça va fonctionner. Parce que techniquement, c'est plusieurs monstres en une fois. Il y a dans les caravanes, des quêtes de caravane, il y a comme des petites missions aussi. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez! J'ai fait une catégorie qui était spéciale des quêtes caravanes que j'ai jamais terminées, comme la plupart des affaires. Bref, il y a le Road aussi, qui est un... Comment qu'on pourrait dire ça? Un genre de roguelite, mais pas vraiment. C'est... Tu t'en vas dans une... C'est une quête où est-ce que tu progresses jusqu'au pièce numéro 100, je pense. Ou peut-être ça sera plus loin, je sais pas. J'ai jamais vraiment été dedans. J'ai pas tant l'armure idéale pour ça. Enfin, là, tout ce qu'il y a G-Rank, surtout Zenith, je suis pas prêt. Mais je l'ai mis là quand même, parce que pourquoi pas se faire défoncer? J'ai rien contre me faire défoncer, j'adore me faire défoncer. Bref, ok, fait que Zenith, c'est comme le dernier contenu où est-ce que c'est les monstres hyper puissants, si on veut. G-Rank, ben c'est G-Rank. Selon Frontier, Arène, ben c'est Arène. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas ben beaucoup de quêtes en Arène. Mais il manque... Il faudrait qu'il y ait Versus Arène aussi. Je vais me trouver quelqu'un. Je vais forcer God of War à faire des Arènes avec moi. Éventuellement. Fait que prépare-toi, God of War, si tu regardes. Bref, là-dessus, on décide qu'est-ce qu'on fait. Je n'ai pas vraiment expliqué c'était quoi Road, mais on a le choix entre deux monstres à chaque fois, puis c'est comme random. Oh, yeah! OK, Super Rank, il va falloir juste que je me fasse une armure, un équipement pour que ça aide l'allure. En tout cas, on verra. Je m'organise. Je vous reviens. Shit, il me reste une heure. Ah! OK, on va faire comme si j'utilisais jamais les légendaires. Off. On va se laisser notre... Hulk, est-ce que je devrais apporter mon partenaire? Non. Bonjour tout le monde. On est dans la quête du monstre qu'on va totalement faire, voyons. Je m'en vais pas à la bonne place. Alors ça va ici. Mais honnêtement, il faut que... Oh my god, c'est vrai! Regardez-moi ça, comment ils sont intelligents dans Frontier. Gardez la belle face de Lao Shanglong qui commence dans la zone 2. C'est-il pas magnifique, rien qu'un peu, on la voit pas encore. Et là, voilà. Mais on fera pas un Lao Shanglong. Pourquoi je suis ici, en fait, là? C'est parce qu'il a fallu que je me crafte cet équipement-là. Où est-ce que... Fait qu'on a quand même des bons skills, c'est-à-dire... high-grade earplugs, on se fera pas affecter par toutes les affaires, et fencing, réseau, c'est ça qu'on a, j'expliquerai pas plus, j'ai pas vraiment de défense, mais on va aller faire un Goranza Brew, j'ai aucune idée, je me rappelle plus si c'est ça son nom, mais je pense que oui, avec notre chat salaud, mais je vais apporter mon NPC aussi, qui est Aya, je sais pas. Oui, je suis très créatif avec mon nom de Hulk, okay? Il s'appelle Bird, il a le droit. OK? Pas de sa faute, si je l'ai nommé de même. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. J'ai décidé d'aller faire un hardcore Beru Kyorasu. Parce que je faisais longtemps, je me suis dit, c'était mon monstre préféré, là, quelques années. Autant y aller. Fait que voici Aya, avec de l'équipement G-Rank. N'apportez pas attention, OK?
C'est, elle est pas totalement, elle est pas au niveau. C'est plus les niveaux qui ont rapport. Puis elle a un équipement de Kazoo, je tiens à dire. Regardez comment que l'équipement de Kazoo est magnifique. Pas si magnifique que ça, mais chut, ok. C'est l'équipement de Kazoo, c'est magnifique. Il n'y a absolument rien dans le coffre, c'est bien. Moi, mon équipement est de niveau HR5. En passant, c'est le HR5-6, le super rang rank. J'inclus le HR6 parce que le HR6 c'est un petit peu genre le un genre de G-rank parce que c'est les monstres suprêmes qui sont dedans. Fait que c'est des monstres assez difficiles, mais bref, je l'inclus dans le super rank et il va falloir que j'utilise cette armure là. Et là vous voyez, ah j'allais dire il est pas arrivé encore, mais il va arriver, mais il est arrivé avant que je dise qu'il allait arriver. God damn it. Je voulais m'apporter des potions de peureux. Sauf que je les ai pas, mes potions de peureux. Oh my god, bonjour. J'ai aucun. Ah oui! Aussi, avant de commencer, j'ai le mode X. Je suis en Extreme Style. Fait que là, c'est un style qui est justement juste available en G-Rank. Mais ça, c'est un détail aussi. Je me suis pas nerfé. Je me donne des avantages, ok? Je suis pas habitué. Fait que je fais pas vraiment de dégâts. Aya non plus ne fait pas vraiment de dégâts, je pense. Surtout que. À ce qui paraît, Heavy Bowgun, les NPC Heavy Bowgun, c'est les pires. C'est eux qui font le moins de dégâts et le moins de choses, en fait. Ah! Même le vent me déstabilise. Le mode Hardcore, c'est fait pour nous faire chier. Puis on est supposé avoir de l'équipement pour les contrer. Ce que je n'ai pas en ce moment. J'ai fait la première équipement que je pouvais faire. Sauf que l'équipement de Gugar fait quand même une bonne équipement. On va se le dire. Normalement, je pense que J'aurais l'équipement plus nul si j'avais juste fait le premier que je pouvais faire. Savez-vous quoi? On n'essaiera même pas de charger. On va juste se promener. Ah! Ben, savez-vous quoi? Regardez le dommage qu'il me fait en m'accrochant. C'est pas si pire. Ça a l'air totalement correct. Attends, je vais sûrement me faire one-shotter par un des moves. Va se mettre en mode rage. Oh god. Juste se lever dans les airs. Il m'empêche d'attaquer. J'allais appuyer sur mon bouton R. On a un contre. Je peux contrer avec... regardez comment il est magnifique. Je viens de réaliser. Mon Poogie a le costume de Beru. Oh, il me vise! Non, 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 pas le lézard de la mort! Pas le lézard de la mort! Ça m'a pas tué! Ok, c'est bon. J'ai totalement pas pris. Ah oui, I am a heal. Yeah. Savez-vous quoi? J'ai bien fait d'apporter mon NPC. J'essaie de courir avec le bouton R2 et ce n'est pas le bon bouton. Savez-vous quoi? On booste notre défense! Let's go! Tant qu'à avoir une armor peel gratuit fournie par mon cochon. Je me suis trompé de bouton, je voulais me healer. Mais savez-vous quoi? On se trompe de bouton, faut assumer les conséquences! Let's go! Allons attaquer dans le tas. Oh god, je m'excuse pour la quête qui va prendre énormément de temps. Peut-être qu'on va couper des parties. Ben, on égale moi-même tout seul. Normalement, on dit que on exclut la personne qui parle, mais il n'y a personne d'autre. Oh! Faut que je prenne la potion G2. Non! Gâche pas mon effet de prendre la potion G2. Je la prends jamais, normalement. Mon NPC essaie que je le prends pas. Oh god damn it, je manque tous mes coups. Ah, c'est le lézard de la mort, allez-vous-en. Est-ce que quand il revient, il fait une explosion? Je m'en rappelle plus. J'ai comme des vagues souvenirs de Hardcore Beru, mais... Oh god, ouch! Je me rappelle... Honnêtement, en ce moment, j'ai vraiment du plaisir à me faire défoncer. Je sais vraiment pas pourquoi. J'ai bloqué ça. Est-ce qu'on l'a vu? J'ai comme halluciné l'effet de... J'ai bloqué le... Il est même pas en mode rage, puis je me fais défoncer. Ah, yeah, j'ai réussi à le frapper! Good! Bloc, bloc! Oh! Succès! Succès, contron! Je sais pas si celle-là a frappé, mais on va assumer que oui pour ma santé mentale, parce que dans 50 minutes, on va être encore ici. Ice, moi ou Aya, tu frappes pas avec ton gun. Tu frappes pas fort. Oh, il se met en mode rage. Vite, courons pour sauver notre peau. Ah, j'ai sauté trop, beaucoup trop d'avance. Oh non, non, j'ai survécu. Good. Je suis content. Un petit peu. Est-ce qu'il l'a refait? Non, non, il va tourner spin to win. Pauvre Aya, se fait défoncer. Une chance que t'as ton armure de G-Rank et ton équipement. Mais loin d'être boosté. Si je me rappelle bien, on peut monter le personnage NPC au 999. C'est comme les rangs normalement dans n'importe quel Monster Hunter. On peut les monter à 999. Puis après ça, on peut les armes aussi, on peut les monter à 999. Puis si je me trompe pas, on peut les remonter une autre fois à 999. Et c'est pareil pour notre arme en ce moment là. Non! Mon weapon power a diminué. Savez-vous quoi? Avant qu'il s'en aille, je vais prendre le dégât que je peux me prendre. Mais le fait qu'il ait été en mode rage une fois, ça me motive un peu, non? Je pense pas que j'ai pas le talent pour aiguiser mon arme plus vite, n'est-ce pas? On a juste du tranchant bleu, c'est nul du tranchant bleu! Bleh, bleh. Ok, c'est pas si nul que ça, mais quand même le super rank devrait être correct. Arrête de faire ça, merci. Il va tellement m'attaquer quand même, mais c'est pas grave.
Ok, il a décidé d'attaquer Bird. J'étais pas au courant qu'il pouvait viser ça. Il est plus en mode rage. En fait, oui, il est encore en mode rage. Moi qui porte pas attention. J'aime ça quand tu fais rien de même, en fait. En ce moment, j'ai l'arme de Zeru Ryorosu, je pense. Est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle? Je me rappelle plus. Lui, je l'ai déjà fait en vidéo, le super Rathalos de lumière. Il est super magnifique avec le thème qui est relaxant, un peu. C'est une bonne fight pour relaxer. C'est pour ça que j'ai son arme. C'est tout le temps lui que je fais dans les monstres goût. Est-ce que son... Ben, c'est goût rank, ça aurait été plus approprié, je pense, pour ces monstres-là. Puis après ça, j'aurais pu mettre un supremacy rank aussi, mais ben, pourquoi faire ça? Autant mettre les deux ensemble. Je me questionne moi-même. Yeah, portez pas attention. Et il va s'en aller où, déjà? Je pense qu'il y a plusieurs places qu'il peut aller. J'ai entendu un dling! Excusez, vous entendez probablement pas les sound effects parce qu'ils sont très pas forts. Ouh! J'avais pas pris de Mega Potion par contre, mais c'est pas grave, ça va dans mon sac temporaire. Ben, c'est pas vraiment temporaire, mais ça va dans mon sac quand même. Dans le sac du chat. Qu'est-ce qui est bien avec le chat? C'est qu'il fout absolument rien, sauf qu'il nous rapporte des récompenses supplémentaires. Fait que c'est le temps de se mettre en mode rage! Mais vu qu'il est pas vraiment upgradé mon mode rage, ça me donne juste un petit peu de défense. Toujours bien ça. J'essaie de me bloquer! Ça n'a pas marché! Je roule à terre! On va prendre ma Mega Potion, comme ça on va peut-être pouvoir mettre... Fuck you! J'étais pas sûr si ça allait me frapper ou pas. J'étais genre limite sur le hitbox, mais ok. Non, je prends plus de chance avec toi, mon cher Beru. Ah, j'aurais pu prendre ma potion G-Rank! Autant la gaspiller! Autant gaspiller une Mega Potion! On en a une gratuite. Fait que c'est ça qui est ça. Est-ce que t'es en train de manger mon fil de... C'est quoi tu manges? Non! Chien! Je suis pas habitué d'avoir un chien qui me dérange pendant que j'enregistre des vidéos. Il est au courant des règles. Ne pas déranger pendant les vidéos. Sinon, faut parler à Kazu. Ah, j'ai oublié! God! Non, comment j'ai fait pour oublier? Réalisation! Et vous savez peut-être pas de quoi que je parle en ce moment, mais j'ai oublié quelque chose de très grave. Et va falloir attendre la fin de la vidéo pour savoir de quoi que je parle. Je vais sûrement l'oublier, fait que vous le saurez peut-être pas. Excusez-moi. Schling, schling, schling. En fait, là, mon équipement que j'ai en ce moment, j'ai l'impression qu'il est parfait. Juste que je vais me faire frapper par ça. À cause du vent. En fait, il me faudrait une résistance au vent. C'est un petit peu chiant, ce combo-là, je tiens à dire. Est-ce que j'ai essayé de bloquer, mais je pense que je pouvais pas le bloquer. Malheureusement. Et je viens de manquer. Non, avant qu'il s'en aille. Ou avant qu'il me frappe, devrais-je dire. C'est plus accurate. Je pense qu'il va y avoir une petite boule qui va me frapper. Ok, je l'ai frappé aussi. Tant qu'il y a du dégât qui. Tant qu'il a l'air d'avoir mal, moi, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a du dégât qui se passe. Enfin, les potions G2, c'est un petit peu comme les... des max potions, c'est dans le tas. Ah, shit! C'est toujours une bonne idée d'essayer de se guérir. Oh my god! Dans le tas, ça fait... Rien de mal peut se produire. Savez-vous quoi? Je vous reviens au Beru. Oh my god, tu viens de me licher la main plein de... Ah, t'es plein de bave! Bitch! On a un problème. J'ai pas de max potion dans mon inventaire. Whoops! Ah, t'es encore en mode rage! Ah! Genre qu'il fait juste partir en plus. Non, il part pas! Oh, tu m'as duke, mon cher. Mais maintenant, mes Mega Potions me donnent l'impression que je me guéris plus! Ah! J'ai essayé de sauter en Superman, ça a pas fonctionné. Bird! Attaque de Bird! Mais bon, je suis content de me battre contre toi, Beru. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Arrête de faire tes petits moves. Non, je pesais sur mon bouton pour attaquer! Ça le faisait pas! Je vous jure, j'attaquais! Ah! Tout va bien dans cette quête. En ce moment, là, qu'est-ce que j'espère qui se passe? C'est que mon cochon sorte de nulle part puis dise, tiens, prends une max potion. Mais je fais pas tant confiance. Oh god, il va faire son laser! Il va faire son laser! Bye! C'est pas moi que tu vises! Ah! Succès! Pauvre petit oiseau qui est tombé du ciel, s'est fait défoncer. Mais l'important, c'est que c'est pas moi. Je viens de réaliser qu'il faut que j'aiguise mon arme! Meilleure place pour aiguiser notre arme, c'est pendant qu'on se fait défoncer par un monstre, non? C'était un petit peu... Il me semble qu'il n'y avait pas cette attaque-là. Ça doit être une attaque de hardcore qui crache des petites boules à terre. C'était très... poche, si on veut, comme attaque. J'ai l'impression que ça va prendre vraiment du temps pour tuer notre ami ici. Oh my god, il me tue en deux shots maintenant. C'est triste. Je pense que j'aurai plus de potions à la fin. Il me vise même pas. Je suis même pas une menace pour lui tellement que je me fais défoncer depuis tantôt. Ah! Ah!
Ah, je sais que tu t'en viens. Ah, c'était dans le bon dos. Il a fallu que je me tourne de bord. Je le savais en plus. Je connais tes attaques, mais je sais pas. Je suis juste frappé dans le tas et espéré. Bullshit! Bullshit! C'est un hitbox de merde! Ah! Je change de zone parce que je suis un lâche. Et il va falloir que tu frappes, tu fasses un petit peu plus de dégâts, Aya. Là, moi, je fais tout le travail. Oh, bonjour! Ah, au moins, je l'ai frappé une fois. Toujours important de frapper une fois. Bye, là, Beru! À la prochaine! Je pense que les hardcore ont pas plus de vie. Ben, je suis pas sûr à 100%. Mais ils ont définitivement plus d'attaque. Dans tout le sens du terme. Est-ce qu'il s'en va? Je pense qu'il s'en va en haut. Fait qu'on va passer dans le petit trou qui est là. Puis on va l'attendre avec impatience. Le seul problème, c'est quand il descend, il fait un genre de choc électrique. Fait que je peux pas vraiment y aller. Je sais pas si je peux le bloquer, en fait, son choc. On va essayer. Je vais totalement failer dans 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok, il arrive. Ha! Shit. Il le fait pas? Ok. J'étais sûr qu'il faisait un choc. What? C'est peut-être juste la première fois quand il arrive. Peut-être que... Ça, c'est l'attaque de Diablo. Tout le monde sait où est-ce que l'attaque de... Ça, c'était juste bitch. Tout le monde sait où est-ce que la queue de Diablo se rend. Pourquoi moi, je le savais pas? Je ne sais pas! Je veux juste m'en aller. Oh, cochon! Cochon! Max Potion, par pitié, tu es mon sauveur! Poogie! Poogie! Donne-moi Max Potion! Je te le jure! Donne-moi là! De l'herbe. Goddammit. C'est proche, ok? Je vais vous avouer, il se rappelle de mon addiction aux herbes du passé. Pourquoi je suis incapable? Quand je suis proche, j'ai peur qu'il fait quelque chose. Fait que j'essaie de contrer, mais ça sert à rien. J'ai même pas contré trois fois jusqu'à présent. Ce qui est quand même triste. Si je réussis à contrer trois fois, ce serait bien. Est-ce qu'on peut contrer son... Hein? On va essayer. Je risque la mort. C'est parce que tu m'as pas donné de Max Potion, Poogie. Parce que tu m'as pas donné de Max Potion. Ok, il faudrait peut-être que... Ça vous quoi, il est aveugle de mourir. Combien de fois que c'est mis en mode rage, il se prend du dégât. Aya fait tout le travail pour moi. Je pense que je l'ai apporté. Poogie! Est-ce que t'as des méga potions, mon cher, à donner? Ce serait vraiment gentil que tu m'en donnes, s'il te plaît. Des max potions, je veux dire. Est-ce que j'ai dit des méga? Je le sais pas. Bref. Oui! Mon cher Beru, c'est quand même drôle que tu m'aies pas tué trois fois jusqu'à présent parce que je... Ah! Je joue un petit peu comme de la merde. Mais ça veut quoi? C'est pas plus grave que ça. Oh, au moins je l'ai frappé, j'ai vu du feu qui a fait plouche plouche. Oh god. Non? Ok. Tu peux la refaire. Non, c'est pas la refaire ça. Mais bon, on va le prendre. Un petit coup dans la face. Savez-vous quoi? Je devrais juste... Je peux même pas. J'aurais dû contrer là-dessus. C'était l'attaque parfaite pour contrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste charger comme un défoncé partout. C'est le temps d'un G2. Il m'en reste juste deux. Oh non. Oh, il est plus en mode rage. Good job, Aya, avec le garochage de paintball dans la face. Sploosh, je savais qu'il fallait pas que je m'approche, mais j'aurais peut-être pu essayer de le contrer. Je viens de remarquer ses griffes. Ses griffes sont hardcore. Ok, c'est bon. Sur le bout de ses ailes. Mais c'est quoi qu'il fait là? Ah, il fait son bzzz, 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 ce qui est bien. Et tu le fais-tu une autre fois, non? Est-ce que c'est Dora qui fait des affaires de même? Je me mélange parce que j'ai l'impression... Ou c'est peut-être en mode Angie-Rank qui est un petit peu plus différent parce que j'ai l'impression qu'il manque des attaques. Puis je me prépare à d'autres attaques qu'il va faire, mais il en fait pas. Il a l'air de souffrir en ce moment. Ça, c'est ma technique que j'ai dit que j'allais faire, c'est-à-dire c'est-à-dire courir puis l'attaquer une fois de temps en temps. C'est mieux que essayer de charger puis de se faire défoncer, non? Ah! Oh God! Enfin, j'ai réussi un autre contrer. Pourquoi j'ai pas contré? Je spammais mon bouton comme un défoncé, ça a pas fonctionné. Je vais blâmer mes contrôles. Oh, 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 il souffle. Non, pas le temps de charger. What? What? T'es à terre, mon bitch. Tu triches. OK. Ici, on devrait être en sécurité pour son gros laser. Je pense. Et quand il va retomber, il va faire... C'est vrai, il le fait pas. Mais ça, je vous le jure que il fait son gros laser. Puis après ça, il explose à terre. Non, ça doit être en G-Rank. Ou peut-être que c'est juste que ma mémoire fait défaut. Ça se peut aussi beaucoup. Il faut que j'aiguise mon arme, Beru, s'il te plaît. Laisse-moi aiguiser mon arme. Ah! Laisse-moi aiguiser mon arme! Dit-il en prenant une potion. Laisse-moi aiguiser mon arme pour vrai, là, cette fois-ci. Sais-tu quoi? Je vais être capable d'aiguiser ici. Je vous le jure, les pires places, c'est les meilleures places pour aiguiser. Ah ah! Je vous l'avais dit. Ah non! Saute à Superman! Il a mal visé. Est-ce qu'Aya est encore là? Qu'est-ce qu'Aya fait? Aya! Où es-tu? Elle doit être partie, j'ai pas vu le message. Il y a trop de messages de Bird et de salauds qui s'enfuient.
Oh god, ça aurait pu faire plus bobo que ça. J'ai assez de défense, le seul problème c'est que c'est moi qui... qui est pas... Je serais supposé te défoncer, t'es mon monstre... T'as déjà été mon monstre préféré, je suis supposé te connaître par cœur, non? J'ai fait ton armure dans le bon vieux temps. J'utilisais ton armure, ça fait tant d'années de ça. On a un passé ensemble, Beru. On a un passé ensemble, Beru! Aïe! Aïe! Je tiens à dire... Ah! J'ai débranché ma manette. Ah! Oh non, ma manette était débranchée avant! Oh god. Malheureusement, il va falloir que j'aille faire un live bientôt. Alors, on va... magicalement faire de la magie. Regardez! C'est pas moi le problème! C'est ma manette le problème! Je ne suis clairement pas worthy de Frontier. Mais maintenant, j'ai apporté quelqu'un qui va nous aider. C'est-à-dire Kezu! Kezu est avec nous sur la tête, c'est sûr qu'il va nous aider pour cette quête. Et de quoi vous parlez? On a un autre perso avec nous, je vois pas de quoi vous parlez. Il y a pas... On est encore juste moi, Salo, Aya et le Hulk. Il y a aucune autre personne ici, Opi, qui était pay to win à l'époque. Aucunement. Bref, allons-y. Kezu, apporte-moi la victoire! Et je tiens à dire, arrêtez de regarder mes panties! Arrêtez de regarder sous ma jupe, par pitié! Et toutes les affaires qui nous font... Ah, c'est ça, c'est quand il arrive qui fait sa charge. Je n'ai plus peur de toi et je whiff quand même tous mes coups, mon cher Beru. Et j'utilise pas mes charges de grande épée comme toute bonne personne qui utilise les grandes épées devrait faire. Oh my god, regardez comment que Kezu m'apporte de la puissance. Ça n'a aucun bon sens. Et spin to win, dit-il. Aïe, non! Et ignorer personne... Je pense que je vais me faire frapper. Oh non, même pas! Parfait! Une charge réussie, ça va déjà mieux que tantôt! Et c'est même pas à cause de le Rasta légendaire. C'est le Rasta légendaire le moins puissant à ce qui paraît. Je ne sais pas si c'est vrai, j'en ai aucune idée. Mais en passant, ne vous fiez pas sur moi pour les infos de Frontier, ok? C'est pas moi qui ai les informations les plus précises, aucunement. Moi, je dis de la merde et c'est tout. Qu'est-ce que je fais? Il est déjà en mode rage, ah, grâce à tout le dégât que j'ai fait, probablement, tiens. God. Oh, encore un autre contrage réussi, je m'attendais tellement pas à contrer que j'étais déjà reparti à courir. Bref, j'étais juste à la bonne distance pour pas me faire frapper par ça, c'est pas magnifique, rien peu. Là, il va se tourner vers moi, pis là, wouh! Ah, j'étais sûr que j'avais whiff encore, j'ai eu peur pendant un instant. Laser! C'est rien, on peut y aller maintenant, j'adore comment il... Je voulais... Oh my god! Il l'a fait! Il l'a fait! C'est la première fois que je le vois aller en bas. Mais il l'a fait! Qu'est-ce que je pensais qu'il faisait tantôt? Je le savais que t'étais un faker, mon cher. Je le savais. Cri! Est-ce que je peux bloquer ton cri? Oh yeah! On a contré déjà 3 fois. Ça va déjà mieux. Magnifique. Oh, c'est le cochon légendaire. Lui, il doit donner des max potions. Où est-il? Où est le shiny? Il a droppé un shiny à quelque part. Je le vois pas. Suis-je aveugle? Ah non, il était juste off-screen. Ancien passion! On voit pas c'est qui. Totalement pas pay to win, voyons. Ça m'aurait sauvé la vie tantôt. Est-ce que tu t'en vas? Non, il faut. Ah oui, il fait son. Oh my god. Savez-vous quoi? Fuck des shit. Ce qu'on dit toujours. Fuck des shit. Oh god. Est-ce que je le pogne? Je le pogne un peu. Je l'ai frappé quelques fois. C'est toujours bien ça. J'ai un petit peu gâché l'attaque, mais c'est pas grave. Oh, j'étais sûr que j'allais frapper dans le vide, mais j'ai pas frappé dans le vide. C'est magnifique. Il y a déjà des parties de brisées, fait que ça va définitivement plus vite que. Réflexe. Que la dernière fois. Je m'attendais tellement pas qu'il me vise, je ne sais pas pourquoi. Mais faut croire que je m'y attendais parce que j'ai bloqué. Ah, je suis prêt à tout, évidemment. Sans faille. J'aurais pu utiliser aussi la potion qui me donne genre 70% de défense de plus pour être vraiment le plus moumoune et le plus peureux possible. Excusez-moi, c'est le bruit de Kezu qui est en train de faire un petit peu de succion à Aya. Mais bref. On va être prêt à se mettre en mode rage. C'est-à-dire un petit peu de défense de plus. Oui. Je pense que j'ai pris un détour. J'aurais pu monter en haut, puis après ça tourner à droite. Mais à la place, j'ai décidé d'aller en bas à droite, puis de tourner à gauche. Petit détour, comme j'ai dit. J'ai entendu un shiny. Il y a un shiny. Bonjour, cochon. Courage. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait dans ma vie. Mais on va le manger, parce que pourquoi pas? J'ai du courage maintenant.
Vous allez tous mourir. Je ne suis plus peureux. Je n'ai plus besoin... What the fuck? Beru, please! Qu'est-ce que tu fais dans le mur, mon cher? C'est pas supposé arriver. On en a parlé avant de faire la vidéo. Non à être dans le mur. Mais là, tout le monde le sait qu'on s'est parlé avant la vidéo. Et là, tout le monde sait que c'est arrangé. Non, comment arranger quelque chose? Je pense que les speedrunners... En fait, c'est ça, les speedrunners parlent avec les monstres avant de faire leur vidéo. Tout arrangé. C'est qu'est-ce que je vais dire dans mon discours de conspirationniste que j'ai décidé de faire à partir de maintenant. Merci, UL, de m'avoir donné cette magnifique vie. J'ai failli de tout de suite leur perdre, mais c'est pas grave. Ah oui, ah non, il se met en mode rage là, par contre. C'est plus bien. Je vois pas son ombre. Ah oui, il est là. Est-ce que je me fais à son ombre? Pour éviter, sauf que je voyais mal son ombre, ok? Non, on peut se fier au timing aussi, sauf que là, je me fie à son ombre parce que je suis pas habitué à son timing, même si je devrais l'être. Bref. Grâce à Maître Cochon, j'ai toutes mes stats en une fraction de seconde! Et Kazoo, évidemment. Oh, et je viens de réaliser que j'ai du tranchant blanc! J'étais pas fou, finalement. Yeah! Je vais détruire un cactus pour ça. Beru! On en a parlé! Arrête d'aller dans le mur, par pitié! Ça me fait mal paraître, moi et Kazoo! En fait, ça te fait mal paraître, toi, là! Tu me défonces! Beru, par pitié. J'adore comment que... J'adore comment que le NPC essaie de le tirer quand même! Il se rapproche comme si ça allait changer. UL, t'es mieux de pas aller dans le mur aussi. Savez-vous quoi? On va se battre dans le mur, j'ai rien contre! Oh god, non, ok, tu me cries dans les oreilles, j'ai quelque chose contre, finalement. Un petit peu. Non, ça serait vraiment bien que tu sortes du mur. Je dis ça de même, là. Parce que c'est un petit peu cheap. Est-ce que c'est parce que t'es pas capable de sortir du mur? Oh my god, arrête de crier à chaque fois que je suis pour t'attaquer! On dirait qu'il sait! Ah! Cheap! Cheap! C'est un monstre de Mario. Tu dois pas être en train de mourir! J'ai sauté à Superman. Sauf... Oh, mais... Genre, comment que les NPC me sauvent la vie, puis après ça, je m'en vais tout de suite dans le danger. Je suis comme les NPC dans les jeux qu'il faut qu'on escorte. T'es sauf, puis après ça, ça va tout de suite se ressacrer dans l'attaque, comme si rien ne s'était passé. C'est exactement ça que je fais. Quel était ce bruit louche dans la maison? Je ne sais point. Il me reste 12 minutes, Beru, avant mon live! Vite! Vite! Par pitié, faut que tu meurs! Sinon, je vais être en retard, puis je vais paraître mal. Je suis jamais en retard, mes lives. On va dire, ça doit être arrivé une ou deux fois, là. Ah, arrête de faire ton attaque qui perd du temps. Je peux pas t'attaquer parce que l'électricité, ça va tout le temps. Où est-ce que t'es? C'est une mauvaise attaque pour pas se faire massacrer, même si je m'en vais dedans. Je commence à être impatient. Oh, good job, UL, tu y as fait bobo. Tu devrais y faire plus bobo que ça. Je suis sûr que si on avait un autre bot que elle, on l'aurait déjà détruit. Elle vient de se prendre un fucking laser dans... Ah! Oh, ça se rend jusqu'ici. Je peux plus rire maintenant. Vous savez quoi? On va prendre... Ah, j'allais dire qu'on allait prendre des G2. Oh! Oh! Ok, parfait. Nous reste 11 minutes pour t'achever. C'est correct. Tout va bien. Il bouette. Oh, puis un shiny encore une fois. Qu'est-ce que tu vas me donner maintenant? Pas un courage encore. Oh, Max Potion! C'est ça que je demandais à l'autre Poogie. Tellement mieux, ce Poogie-là, qu'il fallait payer avec de la vraie argent. Bref. J'ai étrangement beaucoup de plaisir à me faire défoncer par toi, Beru. On fera ça une autre soirée, wink wink. Bref, excusez-moi, là, c'est l'esprit Kazoo qui est sorti de moi, mais en fait, il faut pas que je m'excuse pour ça. C'est ce qu'ils disent tous. Chaque coup que je te frappe, vous me voyez pas, mais j'étais en train de faire des attaques, je vous le jure. J'étais pas juste entre ses jambes en train de rien faire. Je vous le jure, ok? C'est ça que je dis à la police. J'étais entre ses jambes en train de rien faire. God damn it. Excusez-moi pour mes stupidités que je dis. En fait, là, ce serait le moment idéal de charger une attaque quand il fait ça. Ah, il m'a poussé dans l'autre zone. Il veut pas me voir. J'ai compris. J'ai compris. C'est qui tu préfères? Tu préfères UL? Ah, Beru, qu'est-ce qu'on a dit pour se mettre dans les murs? Ça se fait pas des choses de même. Merci. God, il est un petit peu dur à gérer, ce Beru. Mais bon. Ah, encore une fois, il est dans le mur. Je sais pas pourquoi faut qu'il lève son laser dans les airs. Imaginez tous les oiseaux qui meurent à cause de son laser qui tire dans les airs de même. Il doit en accrocher une copole. Quand même, eh oui, parce que il est pas dans sa zone où ce qu'il fait dodo, fait que là, il se retourne dans la zone où ce qu'il fait dodo. Perte de temps! On est rentré dans la zone ici avant qu'il aille le temps d'aller se cacher dans le mur.
des tactiques de cheap, mon cher Beru, que tu utilises. Oh my god! Ça aussi, c'était bien timé, par contre. Good job, Beru. Ben, good job. Je vais attaquer tes petits brindilles de... Je sais pas, je fais juste... Blou, 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 blou. Bloc, bloc. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas contré, qu'on n'a pas fait... Oh, goddammit, j'ai oublié d'aiguiser mon arme avant de rentrer à la pièce. Mais c'est quoi? On n'a pas besoin d'avoir 100% de tranchant pour te tuer. Ah, j'espérais que c'est mort. Ça vient de charger. Et là, t'es mort! Ah, oh, shit. Et à chaque coup, je vais faire « Et là, t'es mort! » Puis la beauté, c'est que tu peux éditer et faire comme si c'était la première fois que tu le disais. Mais moi, je fais pas ça. J'aime mieux me faire paraître stupide. Et mort! Je savais qu'elle allait mourir, là. 14 minutes! Ouh! Dead! Et voilà, Beru, moi tout seul, sans aide de NPC. Juste avec la... Allez-vous-en! Sans aide de... Sans aide d'NPC. Attendez une seconde. Moi, sans aide de NPC, j'ai complété un hardcore Beru qui a reçu avec un équipement buff de super rank. Malgré que, t'sais, c'est un équipement acceptable. Tout seul! Tout seul! Un équipement acceptable de super rank, parce que j'ai une arme de goût, sauf qu'elle est aucunement upgradée au max, et j'ai une armure quand même forte, mais aucunement upgradée non plus, et je suis totalement seul. Bref. En passant, oui, la tête de Kazu, c'était ça que je parlais, que j'avais oublié en début de vidéo. Ben, c'est maintenant le début de la vidéo, hein. Ou à moitié, je sais plus c'était quand. Mais quand j'en ai parlé. Mais je l'ai pas oublié! Yeah! Fait que je vais vous dire merci d'avoir regardé. Et à la prochaine! Bye bye!